Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi de Sam Hospital et là vous êtes sur la chaîne 2, sur le Russo 225. Voilà, donc vous avez remarqué, je ne fais pas assez de vidéos dans ces 3 temps, voilà, c'est un peu le temps qui est un peu imparti. Donc voilà, de faire cette petite vidéo là, juste les gars, n'oubliez pas, lorsque vous suivez la vidéo, essayez de liker la vidéo, essayez de partager la vidéo, c'est assez important. Et je fais cette petite vidéo là juste pour répondre à des questions, à une question qui concerne la bourse de McGill qui est au Canada. Voilà, et j'aimerais déjà rappeler à tous ceux qui postulent à cette bourse là que la bourse c'est master's, doctorat, et ce n'est pas réparti pour toutes les facultés. Lorsque vous allez commencer à postuler, vous allez voir que lors de la sélection des filières, il y a des filières qui n'existent pas, mais il y a plusieurs filières. Donc, ils se sont fixés sur des filières parce que c'est une bourse de leadership. Donc, je réponds à 2 questions en ce qui concerne la langue de traitement des dossiers et aussi la lettre de recommandation. Donc, en ce qui concerne la langue de traitement des dossiers, vous devez savoir que vous n'êtes pas vraiment obligé de traduire vos documents en anglais. Voilà, les documents en français et en anglais passent. Donc, là, il n'y a pas de problème. Et lors du remplissage, c'est-à-dire lors de la candidature, vous pouvez remplir vos documents, vous pouvez remplir les champs en français ou bien en anglais. Voilà, il n'y a pas de problème pour ça. Et en ce qui concerne les documents aussi, vous pouvez laisser vos documents en français, vous pouvez laisser aussi vos documents en anglais. Il n'y a pas aussi de problème pour ça. Voilà, maintenant je reviens sur la partie recommandation. C'est la recommandation qui est la plus importante. Voilà. La recommandation, lorsque vous allez voir, il y a ZISO, ils vont vous demander 2 types de recommandations. Une recommandation qui est non éducative et une recommandation qui est éducative. La recommandation éducative, c'est dans le milieu scolaire, dans le milieu universitaire. Vous voyez, on savait dire que forcément, une personne de l'université doit pouvoir signer ou bien répondre à votre candidature ou bien vous donner une recommandation. Et dans le milieu non éducatif, vous allez pouvoir vous retrouver avec des sociétés peut-être où vous avez travaillé ou bien dans un endroit où vous avez fait du bénévolat, vous avez eu un chef et tout ça, c'est le chef qui doit vous recommander, vous comprenez. Maintenant, ce que moi je voulais vous dire, c'est quoi? C'est que lorsque par exemple on vous envoie dans le milieu éducatif et que on vous demande forcément que ça doit être le président de l'établissement qui doit signer votre document et tout ça, voilà, a pu. Je fais cette vidéo là parce que c'est assez important et par pure expérience, ce n'est pas vraiment obligé d'attendre à ce que le président de votre institution puisse signer votre document ou bien puisse vous aider à pouvoir postuler à cette bourse là. La plupart des temps, les présidents même de l'université sont assez occupés, donc peut-être que vous allez pouvoir vous retrouver avec des personnels de l'administration, vous voyez, de votre université. Donc, si on vous demande obligatoirement que ce soit le président de l'université qui puisse vous recommander, moi je vous dis que ce n'est pas vraiment obligatoire. Si vous avez un professeur qui est là, qui peut vous recommander, prenez le professeur, donnez le mail du professeur, ils vont lui envoyer un document et c'est le professeur qui va remplir sans problème. Voilà, dites au professeur, même s'il voit qu'on demande de donner ça au président ou bien au décan de notre université, vraiment, ce n'est pas une histoire de s'affoler, que ce professeur-là remplisse normalement à la place du directeur ou bien à la place aussi du président. Maintenant, si vous avez la possibilité, moi je le dis tous les jours, si vous avez la possibilité de pouvoir donner ça à un directeur que vous connaissez déjà dans votre institution, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller donner à ce directeur-là pour que ce directeur-là puisse vous recommander. Et en ce qui concerne la bourse McBain, il y a aussi un élément, un facteur qui est assez important. Lorsque vous allez commencer à choisir des universités, eux, ils ont déjà des universités qu'ils reconnaissent, vous voyez. Donc, lorsque vous allez commencer à choisir des universités,
si votre université ne s'y trouve pas, vous pouvez déjà énumérer votre université en dessous. Ils vont étudier votre dossier obligatoirement sans problème. Voilà, donc les gars, n'oubliez pas, la date limite c'est le 21 août. Voilà, donc on essaie de suivre aussi ceux qu'on peut suivre. Donc ceux qui sont intéressés, on est là, on peut suivre votre candidature sans problème. Donc c'était moi de Sam Hospital et puis voilà, à plus. Surtout, prenez soin de vous les gars. Thank you.